Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube et vous avez raison d'y être. Alors, avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Partagez également la vidéo avec vos proches si vous la trouvez intéressante. On commence. Ali Le Code, ami de feu d'Iji Arafat, après son clash avec Tina Glamour, vient de déclarer sa flamme à Lolo Beauté. Ali Le Code dans un post sur Facebook ne s'est pas gêné de faire des avances à Lolo Beauté. Tontin me fatigue ces deux jours-là. Si Sunny n'est plus là, je suis célib injuste pour l'info. Je te laperai tout le corps jusqu'au dernier centimètre carré. Laisse-moi faire un peu ton bonheur, te toucher là où personne ne l'a encore fait, a-t-il écrit. Notons que Lolo Beauté, l'une des stars de la toile et la sœur du général Camille Makosso, n'a pas encore réagi à cette déclaration d'amour. Créole a invité Lolo Beauté à laisser son grand frère le général Makosso s'épanouir avec une autre femme et à s'occuper son homme. Je comprends la réaction de Lolo Beauté. Elle s'inquiète pour son grand frère le général Makosso et aussi pour la réaction de sa belle famille. L'importance pour la famille doit être qu'il retrouve le sourire, la joie de vivre. C'est vrai, c'est un homme de Dieu. Moi, même il a eu à m'imposer les mains. Peut-être que ses prières vont diminuer mes démons. Mais il a aussi besoin d'autre chose. Toi Lolo Beauté en tant que femme, tu sais de quoi je parle. Il a besoin de passer de bonnes nuits afin qu'il retrouve le sourire. Alors Lolo Beauté, occupe-toi de la vente de tes produits de beauté. Glose-toi avec. Enlève ta bouche entre mes jambes. Retire-toi des affaires qui concernent mon bassin. Même si ce n'est pas avec moi, laisse ton frère s'épanouir avec une autre femme. Lolo Beauté, occupe-toi de ton homme. Ton frère est un homme. S'il me plaît, il me plaît. Plus tu vas combattre nos relations, tu risques de nous rapprocher l'un de l'autre. Normalement, je rentrais dans mon pays le 6 mars, mais à cause du général Makosso, j'ai reporté la date de mon départ. Lolo Beauté se prononce sur la plainte déposée contre elle en France par l'actrice ivoirienne, Emmanuelle Keta. Tu as commandé pizza pour traiter Ividero de lesbienne. À ton tour, tu portes plainte? Avec ton chocobi, on dirait français de zone 4. Nous faisons tous des vidéos ici sur la toile. Nous sommes parfois virulents et grossiers dans nos propos. Mais nous connaissons nos limites. Toi, tu es allé jusqu'à proférer des injures au président de la République. Tu l'as même traité de boy. Le président a-t-il porté plainte contre toi? Tu as commandé pizza sur Facebook pour te moquer de Ividero. Tu ne faisais que traiter la fille de lesbienne. Avec des vidéos la paix juste pour détruire Ividero. Tu es allé jusqu'à dire qu'elle ne sort pas avec un ministre mais elle est quatrième épouse. Tu prenais plaisir à détruire ta camarade femme sur les réseaux sociaux. Est-ce que Ividero a porté plainte contre toi? Même si Ividero est 75e, son homme ne déserte pas la maison comme l'a fait le sien. Avec ton chocobi de zone 4, tu fourres tes narines et ta bouche partout. Pourquoi quand il s'agit de toi tu parles de plainte? Ta plainte n'ira nulle part. Moi-même, certains Ivoiriens ont plusieurs fois porté plainte contre moi. Mais ce n'est pas arrivé quelque part. La France est un pays d'intérêt, quand tu apportes quelque chose à ce pays, tu es protégé. Contrairement à ces personnes qui avaient porté des plaintes contre moi, Lolo Beauté, que je suis importante ici en France. Cela à cause de mes activités. Tu retires tes vidéos dans lesquelles tu nous as tout proféré des injures de ta page Facebook. Moi, Mati Dollar ECT. Tu nous as tous insultés. De quoi as-tu peur? Lynché sur la toile, Lolo Beauté à scène, je deviens un dieu vivant pour certaines personnes. Femme d'affaires avertie à travers sa ligne de cosmétiques, Louise Makosso alias Lolo Beauté est réputée sur la toile pour ses vidéos assez crues, piquantes. Sans langue de bois, elle clash sévèrement, une pétition visant son retrait des réseaux sociaux a d'ailleurs été lancée par les Ivoiriens de l'Hexagone qu'elle aurait pointé du doigt dans une énième vidéo. En réponse à ce véritable lynchage dont elle est victime depuis plusieurs jours sur la toile, la jeune dame de 34 ans déclare « Lolo Beauté est la go qui fait le buzz et qui donne des insomnies aux hommes qui n'arrivent pas à satisfaire leur femme la nuit. Des vieilles personnes, des vieillards, des dormeurs dans le salon, des gens qui prononcent matin, midi et soir mon nom Lolo. À force d'y croire, je deviens un dieu vivant pour certaines personnes. Donnez la gloire à Dieu et non à Lolo Beauté. Lolo Beauté, c'est une femme d'affaires, un syndicat de tcha, je fais juste mes affaires. Il est clair que rien n'arrête la spécialiste des teints achevés comme elle se fait appeler dans son élan de buzz. Rappelons que Lolo Beauté est la sœur cadette du révérend Camille Makosso, connu lui aussi pour des sorties qui ne passent guère inaperçues.